Salut Rada. Salut Foilé. D'ailleurs, je sais pas comment. Salut Rada. Oula, oula. Vas-y, tue-moi. Je suis mort. Écoute, moi j'aime bien Soleil. Je sais pas pourquoi. Mais donc ça sera Soleil. Ah, il y a l'alien qui est dû passer là. Il paraît que dans la majeure partie des cas, se faire tirer dessus par des humains suffit à les faire buter par les. Oui, mais là, a priori, il a décidé de pas. Là, a priori, il me voit pas. Hello. Alors, voyons voir ce que ça fait, ça. Accès à la porte, bien évidemment. Mais si ils partent pas, on va tenter. Qu'est-ce que c'est que cette IA de merde qu'on peut. D'accord. Donc l'IA est vraiment particulière, on va dire. J'ai vraiment du mal avec l'IA en fait dans le jeu. Elle est assez troublante, on dira. Ces verres là. Salut gros mat. Toujours aussi beau, tu peux le dire. Et c'est un point de sauvegarde que nous voyons là. IA scripté, c'est possible aussi. C'est une possibilité. Mais à ce moment-là, c'est chiant parce que ça varie trop quoi. C'est trop variable. Il y a trop de variables et moi ça me va pas ça. Parce que un coup c'est scripté, un coup c'est pas scripté. Il y a que des erreurs sur ce poste. Très bien. On dirait un ordi de la Cogip. Munition de revolver. Très bien. Voyons voir. Et ouais, je vous passe dans le dos, les mecs. Reste concentré, tu peux le faire. D'accord, donc le conduit, ça devait amener là.
Yellow et vite. Oh là, j'ai une petite baisse de framerate là. Bizarre. De toute façon, le jeu est vraiment scripté, oui et non. Parce que t'as des événements qui sont vraiment scriptés et t'en as d'autres, tu peux charger ta save, t'auras pas le même comportement. Puissance faible. Mélange B, ça me manquait. Non, ouais, et puis gros mat, ils t'entendent pas quand tu te planques dans un placard et que tu le claques. Parce que il faut savoir que Amanda Ripley claque les. Se planque dans les placards en claquant la porte. Et ça, ils l'entendent pas. Donc bon. Si on va dans le détail, c'est pas. Il y a des trucs un peu gênants. En termes de. De réalisme, on va dire. Oh là, garçon. On se détend. En culotte comme ça, maman, je sais pas, mais accès autorisé, ouais. Mais j'ai un peu envie de fouiller là quand même, parce que c'est un peu le défaut que je me fais à moi-même, c'est que je ne fouille pas les zones parce que ça m'incite pas à me balader en fait. Ce jeu ne m'incite pas à me balader, mais de toute façon, ah si, là je peux utiliser le synthoniseur. Ok, je suis où là? Ouais, je suis revenu au. Bah, je vais aller là alors. Non? Ou je retourne en arrière? Je sais plus où est-ce que j'ai sauvegardé. Non, je vais aller à l'objectif quand même. On va pas tenter le diable. L'objectif se situe par là. Cinématique. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez. Hey. Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrens. Relax, Ricardo. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? Juste sous vos yeux. PD, ça me tente bien en plus, il a. Enfin, Payday. J'ai vu la créature. Il me tente bien, il a 1,49€ en plus. Je sais pas, quelque chose amené ici par Marlowe, le capitaine de l'Anacidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé. Y a-t-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon ne sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ripley. Taylor a besoin de soins. Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Rada. Il faut qu'on utilise le transit pour se rendre au QG, mais il est en panne. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuel se dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Ouais, c'est ça. On en reparlera plus tard, Waits. Protégez-les pendant que je suis pas là, compris? Quand tu me parles, Ricardo, tu peux me regarder quand même. Sa fréquence radio pour qu'on reste en contact. Où est-ce qu'il faut aller là? J'avais testé pendant un week-end gratuit Payday et ça m'avait bien plu. En plus, ça tient des détails parfois, mais souvent les jeux que j'aime, ça tient des détails. J'avais beaucoup aimé la musique à la Hit en fait. Ça m'avait vraiment mis dans l'ambiance. En tout cas pour le braquage de banque, je parle.
calme, là on n'entend rien. Pas un bruit. D'accord, alors en général, quand on demande d'appeler un ascenseur qui n'arrive pas de suite, c'est mauvais signe. Et bien pas là. Non, l'alien on l'a revu hein, depuis. Je passe ma vie accroupi et voilà, je rate presque un schéma de craft en fait. C'est. Enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais. Chalumeau. Il me faut un chalumeau, ok, d'accord. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. D'accord, il y a un humain. Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Putain, j'ai l'impression d'être déjà mort. Juste perdu la boule, c'est tout. Voilà, va-t'en. Allez, va-t'en. Va-t'en. Oh putain. J'en ai déjà assez bavé pour sécuriser cet endroit. Et ben voilà. Premier mort du jeu. Est-ce que j'en suis fier? Je sais pas. Voilà. Il y a un androïde là. Merde, tu m'as spoté enfoiré? Non, tu m'as pas encore vu. Non, 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 tu m'as pas vu. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, je les aime pas, eux. Eux, ils me font flipper, mais un truc de dingue. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ah, tu m'as vu. Ce n'est pas la solution. Non, 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 non. Ah, putain, eux, je les aime pas. Mais comment je fais pour utiliser mon taser, bordel? Je veux utiliser mon taser, mais putain, mais c'est quoi cette ergonomie de merde? C'est
l'alerte n'est absolument pas autorisée. Non, non, je vais mourir là. Oh putain, ta race. Non, le flingue, il est pas... Le flingue est pas utile contre eux. Ah, les androïdes, ils me font plus flipper que l'alien, quoi. Ils ont un côté froid, T-1000. C'est... J'aimerais capter l'interface. C'est fou, ça, quand même. Là, par exemple, je veux choper le taser, comment... Ah d'accord, ok. Ouf. Ouais, c'est vraiment ergonomique. Donc a priori il faut maintenir le clic droit et balancer. Alors là je vais pas le faire parce que j'ai que 2 munitions, mais je sais pas, j'en ai jamais tué grenade en fait pour le moment. Ouais, il y a moi. Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Alors, est-ce que... Ouais, je pense que lui, je vais le buter parce que sinon, après, ils vont être deux. À moins que... Ah non, à moins qu'ils s'entretuent après. Peut-être qu'ils vont s'entretuer. On va tester. J'arrête de m'infliger ça. On va tester. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous ne devriez pas être ici. Est-ce que tu vas t'occuper de ça ? Tu vas t'occuper de lui ou pas ? Parce que lui non plus il devrait pas être ici. Voilà, c'est ça. Entame-le. Salut Shinseiki. On joue à cache-cache avec notre ami l'androïde. Et il est vraiment pas cool. Tu m'as pas vu. Oh putain. Oh putain, la musique c'est pas obligé hein. La gare de transit c'est où? Oh putain tu... Ah tu m'as pas vu. Ah merde, c'est cassé! Bon enfoiré. Ça se fait pas, les mecs.
va sauvegarder. Ah, le chalumeau, oui. On va fabriquer un medikit quand même. Donc là, j'ouvre quoi au chalumeau? Tu veux que j'ouvre quelle porte? Ah, je crois que c'était celle-là. J'espère qu'il est tranquillement... J'espère qu'il n'est pas derrière moi. J'ai eu quelques soucis, il va me falloir un petit moment pour revenir. On peut attendre. Pas Taylor. Je prendrai la prochaine voiture. À vous de voir. Heureusement que l'Android a rien entendu. Conduit de désactiver les ascenseurs. L'objectif est de rendre l'endroit imperméable. On ne peut pas accueillir plus de monde dans le sanctuaire, mais on peut quand même faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau et des armes. Si on veut que tout le monde s'en sorte vivant, va falloir laisser la pitié de côté. C'est laquelle qu'il faut que j'emprunte? Ok, la deuxième. Et là, tous les coups, ça va débarquer. Classique. Classique. Toi tu t'approches. Appel à destination de la tour d'habitation Solomon. Ah mais il y a du monde, vous êtes 4. Je tuerai pour une clope. On va rejoindre Sinclair. Il est hors de question qu'on se sépare. L'union fait la force. J'en suis même plus si sûr, en fait. Cette chose est... impossible à arrêter. Donne-moi un bon angle de tir et tu peux dire au revoir à cet enfoiré. Et...
Emportez vos déchets avec vous. Ok, plutôt scripté. Plutôt scripté. La galerie marchande Solomon, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. S'il plaît, on est dans le bureau du marshal. Tournez à droite en haut des escaliers. Vous pouvez pas le rater. Pas de comité d'accueil. Bon, allez, ramenez-vous. Terminé. Fuck the Marshals. Du calme, on est en sécurité maintenant. Wade, c'est un plan. Un plan? Sérieux? Ces putains de plans lui ont pas vraiment réussi jusqu'ici. Je passe par où là? En sécurité ici. En tout cas pour l'instant. Ils sont mignons, mais... D'accord, mais je fais comment là? Bon, à mon avis, le jeu veut que je reparte. Le jeu veut que je contourne, à mon avis. Je suis pas sûr que ça soit mes potes quand même. Enfin, je me méfie. Après, oui, c'est peut-être mes potes. Donc, écoute, de toute façon, il y a une sauvegarde, a priori. Je peux courir, en plus, ça craint rien. Ah ouais, j'essaye, ouais. On va tester. C'était vous. Vous avez fait remarcher le transit. Ok, j'ai paniqué pour rien. Bien joué. Comment va Taylor? Son état est stable. Elle sera remise sur pied en un clin d'œil. Samuel, c'est avec elle. Bien. Vous avez réussi à rétablir le transit? Je pense qu'on est quitte. Où est Ricardo? Il prépare la suite. Je suis occupé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis Marlowe au trou. Vous savez, le voyou qui s'est ramené avec votre boîte noire. Où est le vaisseau de Marlowe? La Nessidora? Il l'a mis en orbite d'attente autour de la géante gazeuse. Ce fils de pute veut pas nous donner les codes de contrôle pour qu'on puisse le ramener en automatique. Peut-être que vous aurez plus de chance avec ce bon à rien. Allez lui parler. T'es où, Marlowe? Qu'est-ce qui s'est déverrouillé? Marlowe? Qu'il demande?
Je m'appelle Ripley, je suis de la compagnie. Déjà là pour vous plaindre que votre boîte est vide. Vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire. Je suis là pour des raisons personnelles. Ma mère était sur le Nostromo quand il a disparu il y a 15 ans. Sérieux ? Merde. Mince. Putain. On n'a jamais trouvé son vaisseau, Ripley. Juste la boîte noire. Ouais, enfin, vous avez bien aussi trouvé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Faut que je foute le camp d'ici, Ripley. Peut-être qu'on peut s'arranger. Racontez-moi tout. Je veux tous les détails. Ah, cinématique. Non, mais le jeu n'est pas dégueulasse, hein. Enfin, franchement, j'ai entendu cette critique, encore une fois, je la comprends pas, quoi. J'arrive des coms. Tu me reçois, Lewis ? Oh là ! Que se passe-t-il ? Si c'est un morceau que tu cherches, Foster, j'ai quelque chose pour toi, si tu veux. Je sais pas si j'ai un radar assez puissant pour le trouver, Haste. Bon, vous allez pas commencer. On se concentre sur on notre objectif. Là je veux aucune erreur. On va aller dans l'espace. Bordel de merde. Bordel de merde. Est-ce que vous le croyez ça? Ah, te voilà. Non mais est-ce que vous le croyez? Gardez l'œil ouvert. On est... Non. Mais non. Me dites pas que... Oh non. Ils ont pas fait ça quand même. Les coups, on est sur LV-426. Ah non, mais là, ils ont... Non, mais les mecs, ils ont géré, ils ont... C'est un truc de dingue. Petits éclats de cendres sur le casque, les effets de vent, l'ambiance, enfin bordel. Pas grand chose pour le moment, mais je vais jeter un œil de plus près pour voir si je peux trouver un point faible. Attendez-moi ici. Par ici, fais-moi la courte échelle. Allez. J'ai trouvé un chemin. Je vais vérifier. Si jamais tu viens pas, vous prendrez votre mal en patience. Ah, y a la petite musique. Mais c'était moins une, c'est pas passé loin. Je pense pas que je pourrais revenir par le même chemin. Non mais les mecs ils se sont dit on va régaler le fan d'Alien. Et ils sont allés jusqu'au bout. J'ai trouvé.
quelque chose par ici. Oh, je suis tout excité là. Parce que je me dis qu'on va découvrir un truc de dingue. Il y a une fissure dans la roche. Reculez, je vais la faire exploser. Bon là c'est carrément, c'est codesque quoi, hein. Enfin Call of Duty. Ah, reculez, reculez. Ah ouais. Dans le film, je me souviens pas qu'ils y allaient comme ça quand même. Ouais, salut les mecs. Allez, on continue. Suivez-moi. Heist, par ici, fais-moi la courte échelle. J'en étais sûr, la courte échelle. Mais je te le pardonne. Je pardonne ce gameplay. Oui. Creative Assembly, je te pardonne. Oh putain. Oh non. Oh les mecs. Oh putain. Mais non, mais non. Oh putain. Oh bordel. Hop hop hop. Attends, je... Cinématique. Ah merde, on se téléporte. Oh non. Eh oui, c'est le vaisseau, c'est le vaisseau du 1 quoi. De LV-426. Ah, dommage, j'aurais bien aimé m'approcher là du vaisseau là. Ça a fait un peu l'ascenseur émotionnel là, vous voyez. Mais bon, à mon avis, je vais avoir d'autres surprises là. Je vais avoir d'autres surprises. Ah oh, putain, pourquoi j'ai pas pris le screenshot? Pourquoi j'ai pas pris le screenshot? Putain, bon, je crois qu'on peut refaire l'émission. Qui nous balance la musique. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va bien pouvoir trouver ici? Un truc énorme. Oh là là. Faites gaffe à ce que vous touchez. Surtout n'abîmez rien, compris? C'est incroyable. Vous pensez que ça date de combien d'années ce truc? C'est quoi? Oh putain. Ça veut dire ça. Oh les mecs, comment vous nous régalez quoi? Non mais ce régal quoi. On perd du temps. Explorez-moi ça. Marlo, c'est un organisme vivant. C'était un organisme vivant. Maintenant c'est à nous. Attends, photo, photo là. Voilà. Pas préparé pour un truc.
être si gros que ça. Eh ben, on prendra ce qu'on pourra et on reviendra. Regardez ce qu'on peut trouver d'autre dans le coin. On peut grimper, on peut grimper. Ben oui, on grimpe. Des traces. Comme si on avait traîné quelque chose par terre. Mais c'est pas tout. La suite doit pas plaire. Qu'est-ce qu'il y a? Les traces mènent jusqu'ici. C'est le même nom qui est inscrit sur la boîte noire. Allez, vas-y. Putain, dites-moi que le jeu est moche, quoi. Dites-le-moi. Sérieux, quoi. J'ai l'impression. Merde. Tiens, un gros plan. On va savoir ça tout de suite. Je vais trouver cette balise et l'éteindre. Pas envie que d'autres glands lui trouvent cet endroit. Foster, Haste, allez vérifier le souterrain. Localiser la balise de détresse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est pas humain, ça j'en suis sûr. C'est pas humain, j'en suis sûr. Putain. Merci Sherlock. Pourquoi je suis aussi lent là? C'est par là? Je comprends pas bien comment il marche sans. Là tu vas me faire la courte? Allez, tu vas me faire la courte. Ah salut Guy, salut Guy. Oh putain, ces effets de lumière là, putain. Mix, mais ouais. J'ai trouvé le signal, je vais aller jeter un œil. Caresse la balise. Voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la balise a arrêté d'émettre. Marlo, faut absolument que tu vois ça. C'est pas censé. J'arrive. Qu'est-ce qu'elle a vu? Je reviens. Non mais la mise en scène et tout, enfin. Je veux dire. Enfin, voilà quoi. 9-7. Descend dans les profondeurs. Non mais là les mecs ils ont tout capté quoi. Pour parler un peu vulgairement, s'ils avaient envie de faire bander le fan d'Alien, bah ils ont trouvé quoi. Oh putain! Oh non mais! Ah ouais les mecs, sérieux! N'en jetez plus! Que je descends.
cinématique. Dommage. Donc c'est comme ça qu'on a amené l'alien dans le vaisseau. Bon bah, classique hein. C'est un peu comme dans le premier, mais bon, on s'en fout. Ah, dommage le petit chargement après là. Ça coupe un peu l'ambiance. Porte fermée. Je veux tout savoir, tout. Où est votre vaisseau? Si on brise le verrou sur les communications, on retourne à... c'est le code pour le ramener en pilote auto. Si vous voulez savoir le reste, c'est intense. C'est intense, mais ascenseur émotionnel, quoi. Bon, bah, vous savez où me trouver. Wait! Mon écran dans la tour Systech est en train de s'affoler. Il est ici. Plan B. Au boulot. Quoi qu'il arrive, j'en suis. D'accord. C'est par là. J'ai quelque chose pour vous. T'as quelque chose pour moi? Fais voir. Récupérer le lance-flamme. Oh, j'espère bien que ça marche. Mal. Les animaux ont peur du feu. Espérons. Ah non, non. C'est pas ça que je voulais faire. Inventaire plein. Faut que je vais fabriquer des trucs parce que genre ça. Bon, tuyau, ça sert à quoi? Salut Guibo, de toute façon je vais couper le stream bientôt parce que c'était trop d'émotions. Émetteur de son, c'est pratique. J'ai une combine pour le piéger. Allez prendre une navette de transit et rejoignez Ricardo à la tour Systech. Je m'occupe des coordonnées. Si je veux. On va se balader un peu. Faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à San Cristobal. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? T'as mon numéro. Ronson, terminé. Au niveau DA, c'est impec, quoi. C'est impec. Y'a rien à dire. C'est propre, quoi, comme boulot. Hein. Ennemi proche, non, c'est bon les mecs, c'est cool. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, on continuera une prochaine fois. Enfin, je continuerai une prochaine fois, et si vous voulez me suivre, ça sera avec plaisir. Et j'espère que ce stream vous a plu. Moi, c'était le panard complet. Pour le fan d'Alien que je suis, c'est un... super cadeau que Creative Assembly nous fait là, mais sur l'ensemble du jeu en termes d'ambiance, c'est exceptionnel. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.